Bonsoir. Alors, Pitras, il est avec nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, c'est un peu compliqué. On va commencer à faire un petit bien. Pour Hanouka, on va aussi un petit peu tout ça. Parce que là, c'est tout le mec. A priori, non, c'est fini. Non. Je l'avais amené aussi parce qu'il avait écrit, écrit qu'on terminait un moment. Et qu'il hésitait la semaine dernière. Et on ne savait pas trop si ça allait. Ah, là, ça on est obligé, on a fait la dernière, le nerf de. Je taille. Hein. Parce que c'était. Tout était très tôt l'année dernière. Tout était hyper tôt. Est-ce qu'on a eu Veda? Il y a eu Veda. C'était hyper tôt, c'est sûr. Ma grand-mère. Oui, ta grand-mère, c'est marie jeune. C'est intéressant. Ouais. Ma mère a 13 ans. Heureusement que les enfants ne peuvent pas. En Chine cette année pour Hanouka? Pardon? Pour Hanouka, vous serez en Chine ou ici? Non. Janvier, février, probablement. Pas pendant les fêtes. Non. Je fais ma société qui est là-bas. Enfin, on est là-bas, on est partout, mais on est aussi là-bas. Et tu fais. Je travaille sur des projets. Le jour qui vient, ma chérie a rendu que les Chinois vont devenir juifs. Pardon? Le jour qui vient, ma chérie. Ouais. Ils disent que les Chinois vont devenir juifs. Ils vont dire que les Chinois. C'était la paracha d'il y a deux semaines que. On va pas faire. Abraham, il envoie ses enfants. Non? Le Kedem. Oui, Kedem. Ah bon? Ça, Kedem. C'est très bon, les envoyer. En Orient. En Orient, ils les envoyaient. Ça va, Harry? Même pas donner au moins quelque chose. T'as des nouvelles de Georges? Rien, on va rester. Ah, c'est chaud. Bonne nouvelle. Hein? On va rester avec une question là. Sur quoi? Il restait des. Ouais, on a, restait sur la fin. On a vu clairement que. Sur le Eter Mechira. C'est écrit clairement que c'est la source de vendre la terre envoyée, mais on dit c'est pas grave, il y a Eter Mechira. Vous nous devez une réponse quand même, Rav. Oui, oui. Sur Eter Mechira. Quelque chose. On a été. Au moins qu'on ait quelque chose. Dis-moi, tu crois que tu peux pas prendre la Torah? Toute la semaine, je restais avec la question. C'est le grand père de la Gemara au Shabbat, il est venu de guerre, il a dit Rabbi, la Mdeni, Kola Torah Kula, Al-Regelachak. Alors il lui a dit, c'est quoi? Mandesani Allah, le Chabat Tavi. Ce que tu n'aimes pas, ce n'est pas aux autres. Après, tu passes ta vie. Non, c'est bon. Non, viens. D'accord. Mais là, on parle d'Alacha, on parle pas de. Oui, l'Alacha, lui aussi voulait l'Alacha. J'imagine que c'était un. Si c'est la Lara ou si vous voulez pas de. Allez, on va faire une petite Luga. On va faire une petite Luga. Shabbat, le Marathon. Bon, c'est impossible. J'ai cherché, j'ai essayé de faire, mais c'est trop compliqué. Il faut au moins. Vous restez ici jusqu'à Shabbat. 25 minutes de quoi allumer les nerfs. Plus que 5 minutes. L'El Shishim, non, mais je suis pas. Toute la journée. Toute la journée. Allez. C'est quel daf? Allez, Khaf Alef, Amoud. Allez, on va faire un peu la Gemara, comme ça au moins on est. On se prépare plus tout ça. Vous savez, bien griffonné. Nous sommes. On va essayer de faire ces deux daprimes de Gemara. Allez, merci. Et nous, on voilà. Ah non, mais non, ça commence. Non, Yudbet. Yudbet. Rafalef Hamoud Bet. Oui, on va faire Hamoud Bet Mara. Ça commence ici. Rafalef Hamoud Alef. Amar Abouna. Voilà, Amar Abouna. Donc on va faire un peu le sujet de Hanouka. Amar Ravuna. Betilot, Veshemanim, Shamou, Hachamim. Un madikim ba'em be Shabbat, un madikim ba'em be Hanouka. D'accord. Ba'em be Shabbat.
Voilà, alors on va faire, on va dédier ce cours, les proches les mains, Odélia Esther, Bat Joël Yael. Hachem nous envoie une réfouache les mains. Amen. Alors, Ravnaï dit, il y a trop de bruit. S'il vous plaît. Non, vous pouvez venir. Non, regardez voir. Venez étudier. Mais ça ne me dérange pas. Non, mais ça ne me dérange pas du tout. Vraiment, ça ne me dérange pas. Ravra, ils vont sortir. Après. Non. Alors, venez, c'est Rambéressique dans ce soir. Non. Ah, venez vous asseoir à côté comme ça, moi. On est en train d'étudier les passages des deux Dapim et demi de Gemara qui parlent de Hanouka. Ça au moins, on est un petit peu, on se connecte un petit peu à Hanouka. Alors, non, mais on va commencer par le, d'abord par le début. Amar Ravuna. C'est tilot et shmanim shamu chamim en madikim baim le Shabbat. Les petilotes. Donc on avait vu qu'il y avait deux problèmes. On sait que toujours quand on a une minéraux au Shabbat, il y a deux problèmes. Premièrement, le problème des mèches. Deuxièmement, le problème des shmanim de l'huile. Il y a, dans les mèches, il y a deux problèmes. Le premier problème qu'il y a dans les mèches, c'est parce que c'est pas des mèches où la flamme. Wow, on parle. Ce ne sont pas des petits lots où malheureusement le feu, la flamme, elle ne tient pas. Donc elle crépite. Voilà. Et donc on a peur que la personne, lorsqu'il voit ça pendant Shabbat, oulala, catastrophe. Alors, il va essayer de l'arranger, il va essayer de l'améliorer, et donc on va être Mechal Shabbat. Donc c'est ce qu'on a dit, il y a des petits lots, c'est ce que la Mishnah a dit, Mamemadikim, d'accord. Donc ça, c'est la première partie des petits lots. Et le deuxième problème qu'il y a, cette fois-ci pas dans les petits lots de Shmanim, c'est aussi la même chose. Il y a des Shmanim, il y a des huiles, malheureusement aussi, qui ne prennent pas bien, qui ne se consument pas bien. Donc encore une fois, on a besoin d'intervenir pour que l'huile il s'imbibe bien sur la pétilla et on obtient une bonne flamme. Donc ces deux sortes d'huile là, c'est tout ça qu'on dit là tous les Shabbats, blechesh, tout ça. On ne sait que ça veut dire, mais en tout cas, c'est ça que ça veut dire. Comme je dis, c'est ça que ça veut dire. Et donc ça, on n'a pas le droit de tous les Shabbats. Alors dire avuna dod veshmanim shamuchamim en madikim baim beshabbat. Alors dit Ravuna, en madlikim ba'em bechanouka, ben beshabbat, ben bechol. À Chanouka aussi, on n'a pas le droit de les utiliser, ben beshabbat, ben bechol. C'est-à-dire quoi, ben beshabbat, ben bechol? Chanouka, c'est ça? Que Chanouka tourne le Shabbat, ou bien pendant les 8 jours non plus. Oui. Pendant les 8 jours, que ce soit Chol, soit Shabbat, on n'a pas le droit d'utiliser ces petits lots. Pendant 8 jours, c'est toujours un Shabbat. Oui, on n'a pas le droit d'utiliser. Alors pourquoi? Et pourtant, on sait que quoi? Tout le rachat, c'est quoi? Que chez Maya Voletaken, il va venir à arranger, améliorer, parce que la flamme, elle brûle bien. Mais a priori, à Hanouka, elle a nous réchouté chez Meshbem, et là, les Rotam Bilbad. Donc en réalité, pourquoi Shabbat tu veux, pourquoi tu risques d'intervenir sur la flamme ou bien sur l'huile? Parce que c'est, n'oublions pas que c'est la seule et unique mécorde de lumière. Parce que sinon il n'y a pas de lumière. Donc aujourd'hui c'est vrai qu'aujourd'hui on allume les lumières, c'est presque symbolique. Mais à l'époque c'était ça avec ça qu'on s'éclairait. Alors, imaginez-vous que vous avez chaque seconde la lumière, elle s'éteint, elle se rallume, Donc on a un grand problème. Pour ça, a priori, c'est pour ça que l'Agma a dit, d'accord, a dit comment ça sur Amara Bama et Tama. Allez-y, allez-y. Non, je vais prendre un camarade. Non, pourquoi? Allez-y. Amaravuna, Amarava, Maitama. C'est pas Mistaber. Ce qu'il dit, c'est pas Mistaber. Ça peut être Mistaber sur le principe de dire que comme il y a un Shabbat et que la façon dont il va utiliser les petits lim et le shemen, ça va être le même qu'il va utiliser pendant toute la fête.
Donc même Shabbat, il peut aussi l'utiliser. Si vous faites votre qualité... Oui, t'as raison, mais on parle d'un problème. C'est une différence fondamentale entre Shabbat et Chanukah. Shabbat, on a le droit d'être Mishtamesh, c'est une mitzvah d'être Mishtamesh Lehora. Alors Chanukah, on n'a pas le droit d'être Mishtamesh Lehora. Mais il y a un Shabbat, ou ça sera Chanukah. Ou deux. Ou deux. Non, c'est pas ça la question. C'est pas ça la question. Non, la question c'est, je pense... C'est l'action de qui? La question de la Gemara? Non, moi je la question de la Gemara. Moi je pense quelle est ta question. Non, moi c'est pas une question, moi c'est la réponse. Ah, tu donnes la réponse? Pourquoi on a le droit? Je vais proposer la réponse. Pourquoi? Dans tous les cas, comment on veut utiliser? On va acheter un shemen, on va acheter des petits limes pour Hanouka. Mm. Et que cette qualité-là, si, qu'elle puisse convenir pendant Chol Hamalo, mais comme il va y avoir un Shabbat où elle ne va pas convenir. Du coup, et donc quoi que tu vas faire? Disons qu'elle va s'éteindre. Tu t'en fous, toi, c'est ça. C'est pas ton problème. Parce que de la même manière, il serait peut-être mieux, voire peut-être aussi être métakène. Mais non, justement, parce que c'est Moutar Lishtamesh Lora. Shabbat, Moutar, Chanouka, En Anul, Rishut, Lishtamesh Bahem. Donc de toute façon, tu Lishtamesh. Ça s'éteint, tu n'as pas le droit de le regarder, tu n'as pas le droit de tirer profit. Tirer profit. Donc même ça s'éteint. Ah, d'accord, donc ça serait pour ça. C'est la question. C'est la question. Puisque la différence fondamentale qu'il y a entre Shabbat et Chanukah, Shabbat, t'as une mitzvah de tirer profit des ténérodes de Shabbat. Il faut que ça s'éclaire. Au contraire, tout le problème, c'est que quand ça n'éclaire pas, on peut faire même Chalbatala. Si tu utilises, tu mets de la lumière et tu t'en vas. Et tu reviens 5 heures après, les ténérodes de Chanukah, ils sont éteints. Mais t'as pas fait une mitzvah. Ça sert à rien de l'allumer et partir. Quelqu'un, il allume les nérotes, on va dire, il allume les nérotes à 4 heures, même avant, pour partir du placard mitra. 3h30, il allume les nérotes, il s'en va. Il revient à 11h. 11h, il n'y a plus de nérotes, sont éteints. Il a fait une bracha, les vatala. Parce qu'on ne peut pas allumer des nérotes de Shabbat si on ne tire pas profit. Il faut profiter des nérotes. De Shabbat, on parle. De Shabbat. Les nérotes de Shabbat sont faits pour profiter. Alors que les nérotes de Chanukah, ils sont exactement le contraire de Shabbat. Il ne faut pas en profiter. Aujourd'hui, on ne profite pas vraiment des nérotes de Shabbat. Il faut. Pas vraiment. Il y a la lumière décrétée comme vous avez dit. Tosefet Ora. Un peu plus de lumière. Tu as un peu plus de lumière. On est à le mettre en face de la table. Oui, il faut mettre en face de la table. Au moins, tu as un petit peu de lumière qui vient. Et des fois, si la muscrière s'arrête, des fois, tu as de la lumière, etc. Mais il faut en tirer profit de ça. Et si on est invité qu'on rentre à 1h du matin, il faut. Comment? Si on est invité chez des gens et qu'on rentre à 1h du matin. Il faut mettre des grandes nérotes. Toujours, quoi, s'il arrive à en profiter un petit peu. Comme il dit Rav, si par exemple vous, à Sukkot, on allume les nérotes dans la salle à manger et on va manger dans la souka. Le temps que tu vas à la souka, tu rentres dans la maison, plus de nérode. Tu n'as pas de mécanisme. Il faut mettre les nérodes de Shabbat dans la souka. Ou bien, si c'est dangereux, tu laisses les nérodes de Shabbat chez toi à la maison, mais tu vas là-bas pour emmener le manger, pour tirer, pour sortir du frigidaire, etc. Donc il faut à tout prix tirer profit. Et si quelqu'un ne tire pas profit, c'est un grand problème. Et donc, bien qu'aujourd'hui, on a déjà de la lumière, malgré tout, on est varié sur Tosefet Ora. Mais si quelqu'un, Chas v'Shalom, il n'a pas fait la bracha, il n'a pas tiré profit, c'est Chas v'Shalom, il n'a pas fait aucune mitzvah de Tosefet. Donc, la Gemara demande, ça c'était la question de la Gemara, parce que je vous dis une règle. Quand la Gemara demande à Marava Maitama, c'est-à-dire que c'est incompréhensible. On n'explique pas les choses faciles. C'est ça la difficulté quand on a la Gemara, c'est que tout ce que nous, on ne comprend pas, la Gemara n'explique pas. Parce que nous, tout ce qu'on ne comprend pas, la Gemara n'explique pas, parce que la Gemara l'avait compris. Et les choses que nous, on croit comprendre, la Gemara l'explique. Alors, cette fois, notre tête, elle n'est pas faite exactement comme la Gemara. Donc, quand la Gemara, quand vous voyez Maïtama, ça veut dire qu'on ne comprend pas. Et toujours, il faut, avant de comprendre la réponse, il faut trouver le problème. Le problème, c'est clair, parce que tout le monde connaît la règle qui dit que Shabbat, on a retiré profit, alors que Hanouka, on a retiré. Donc, qu'est-ce que ça peut bien te faire, toi, que tu laisses des nérodes Hanouka brûler et ça saute et que la flamme elle saute, elle pétille, tu vois, elle scintille dans tous les sens. Pas de l'écran. De toute façon, c'est pas ton problème. T'as fait ta mitzvah, t'as allumé, Shalom à l'Israël. Et si ça. Il faut que ça dure une demi-heure, non? Ah, si elle va durer une demi-heure ou pas? Oui, elle va durer une demi-heure, mais seulement elle est pas belle, c'est pas une belle flamme. Marava, Maïtama de Ravuna, Kassava, parce que lui, il pense, écoutez bien, Kafta Zakukla, que lorsque les nérodes de Chanukah se sont éteints, c'est pas comme nous, on sait, t'as allumé, c'est plus ton problème. Non, t'as allumé et tu dois rester là comme un gendarme, regarder que pendant ta demi-heure, ça ne s'est pas éteint. Et si ça s'éteint, tu dois la rallumer.
et même avec bracha d'après Rav Huna. Parce que lui, il dit que la mitzvah, c'est pas comme nous, aujourd'hui, on a l'habitude, parce qu'on dit, non, t'allumes et c'est pas après ton problème. C'est ça la question. Justement, la Gemara dit exactement, c'est l'inverse de ce qu'on connaît. Donc je vous dis, les choses que nous, on sait, la Gemara l'explique pas. Et ce qu'on connaît pas, d'accord? Ce qu'on connaît pas, alors là, on se fait des nœuds dans la tête. Donc on a bien compris. Amarava, Maïtama Drabuna, Kassava. Kafta, si la lumière de Hanouka, c'est un zakouk là. Il a une mitzvah de quoi faire, de la réallumer. D'accord? Alors donc quoi? Si on dit ça, on comprend bien. Maintenant, puisque j'ai une mitzvah d'allumer, imaginons-nous que je prends une flamme, je prends une mèche qui s'atteint tous les 5 minutes. Ou bien qui se sentit, ou bien qui n'est pas bien. Donc, normalement, un bonhomme qui. Combien de fois il doit. Dans la demi-heure, combien de fois il doit la ranger? 3 fois, minimum. Toutes les 10 minutes, ça flanche. Donc, 3 fois, il doit l'allumer. Alors, les Khacham, ils ont dit attention, est-ce que tu vas être suffisamment attentif à la ranger 3 fois pendant la demi-heure? Peut-être tu vas partir prendre un café, tu reviens, si c'est un. Ah, tu as perdu 10 minutes. Parce qu'il faut que tu sois là pendant toute la demi-heure et ça ne doit pas s'éteindre. Donc c'est Rami, ils ont dit, n'utilise pas des petits lots ou bien des chémanines qui risquent de s'éteindre parce que toi, tu vas arriver peut-être à être un petit peu nonchalant, oublier de l'arranger. Même tu vas oublier dans scène, tu rentres dans ton bureau 2 secondes, tu reviens, ça s'éteint au bout de 3 minutes. Mais ben, t'as rien à verra. Parce que Kafta Zakouk là. Kafta Zakouk là, pas l'eau Zakouk là, comme on connaît la Lacha. Zakouk, tu es obligé d'aller. Et si tu t'en vas 2 minutes, tu as perdu ta mitzvah. Parce que la mitzvah de Hanouka, c'est une demi-heure. Et si tu rates une minute, tu as perdu une partie de la mitzvah. Mais si on est parti 2 minutes et on revient, c'est encore allumé. Est-ce qu'on a raté quelque chose? Ah non. Non, là, non. Ah non. Mais. On a pris un risque. Mais on a pris un risque. Ouais. Mais on a pas le droit de faire ça. D'après lui, on n'a pas le droit de partir. Comme dit Rachid, avant dans Rachid. Kafta, juste 2, 4, 5 minutes avant la fin. Kafta ne Hanouka. Zakouklak, c'est en tout cas l'étakna. Tu es tenu de l'arranger. C'est pour cela. Sarir le khatrila, la sotia fait. Tu dois la faire avec des belles nérodes, des belles nériotes et avec beau chemin. Dima, pécha. Dima, et c'est ça, et que le problème. Dima, pacha. Peut-être qu'il a fait un chia. Mais non, mais t'as qu'elle là. Donc elle dit non, moi je te permets pas. Je dis laisse-moi faire. Moi, je prends des mauvais chemanim, je prends des mauvais petits lots, et malgré tout, je serai là pour l'arranger. Non, on peut pas faire ça. On ne peut pas mettre quelqu'un dans le nisayot. Tu vas faire quelque chose de pas bien, et après, tu vas rester là. Et si tu pars, donc, tu sais quoi, ne rentre pas dans le nisayot. Altavi et nous, l'olide nisayot, l'olide bizayot. Tu rentres dans le nisayot, tu auras le bizayot, automatiquement. Pas de bizayot. Ok. Après, qu'est-ce que la Gemara rajoute? Pourquoi la Gemara ajoute ça? Ça, on l'a déjà tout expliqué. Non, parce que dans le din de Rav Huna, il y avait 2 halakhot. Il y avait Hanouka Stam et Shabbat de Hanouka. Il y avait 2 halakhot. Donc pour l'instant, on a répondu sur 7 jours. Sur les 7 premiers jours, c'est-à-dire 7 jours, comme on dit, pourquoi ça peut, il peut avoir 2 Shabbat. Pourquoi sur tous les jours de Chol, on a expliqué. Pourquoi on n'a pas le droit d'utiliser les Shemanim et les petits lots? Parce qu'on est proches, que la personne ne va être pas pochéa et ne va pas être détaquée. Maintenant, l'Agma va expliquer le deuxième din, le Shabbat. Pourquoi? Puisque Moutar, les Ishtamesh, les Ora, les Nérod de Hanouka, on a le droit, les Ishtamesh, les Ora, on a le droit, pas comme nous. C'est pas comme un Nérod. Pas on dit dans un Nérod à la loup, on dit exactement le contraire. Mais oui, mais Nérod à la loup, c'est Rabounet, c'est pas comme ça, lui dit. Un Nérod à la loup, Lokodeshem. Il a muta la nourriture à mèche baël. Et là, il rentre. Non. Il dit le contraire. L'eau l'irotam. L'eau l'irotam bivad. Et là, l'ishta mèche baël. Le contraire. Lui, il dit que le Nero de Hanouka, c'est comme Shabbat. Comme Shabbat. Tu prends les Nero, tu te réchauffes avec, tu t'allumes, tu dois kiffer avec les Nero de Hanouka. C'est le contraire. Le contraire de ce qu'on a l'habitude. C'est pour ça c'est difficile d'aller toujours contre le. On a tellement habitué depuis qu'on est jeune à attendre qu'on n'a pas le droit de faire. Mais ça, c'est contraire. Et donc, comme c'est la même chose que le Shabbat, donc plus que Moutar et Shamesh, C'est deux raisons différentes qui donnent ici Non, c'est pas deux raisons. C'est deux principes
Il faut connaître, parce que tu peux faire aussi la moitié, tu peux tenir rien que 50% et 50%. Chaque idée va te donner une halakha. La première idée va te donner la halakha pour le chol, la deuxième idée va te donner la halakha pour le Shabbat. Mais c'est possible qu'on va trouver un mandamar qui va couper la poire en deux. Il va dire pour le chol comme ça et pour le Shabbat autrement. C'est pas lié, les deux sujets ne sont pas liés l'un avec l'autre. Vous comprenez ça? Alors, regarde, explique. Mais si je disais seulement les ishtamesh, je pourrais dire comme lui, qu'à ce moment-là, j'ai peur que le chol, je prenne l'habitude d'utiliser ça. On ne fait pas des xérotes, ça suffit déjà. Ça suffit, on ne fait pas des xérotes sur les rabbins. Parce qu'ils ont été gozer, on ne va pas faire des xérotes. C'est une dinoa, Torah, c'est une zéra. Mais c'est une rabbin, on va dire peut-être que tu n'as qu'à faire une zéra. D'accord. Alors regardons Rashi. Mutal ishtamesh leora, dit Rashi, ilka. Be Shabbat asur. On n'a pas le droit d'utiliser ces mèches. Pourquoi? Shema yate letzorer tashmish. Parce qu'en réalité, les nérodes de Shabbat et les nérodes de Hanouka, c'est exactement la même chose. C'est la même chose. Donc pourquoi les nérodes de Shabbat, tu n'as pas le droit de prendre ces huiles ou bien ces mèches? Parce que tu risques d'être métakène, tu risques de les arranger. Ben, les nérodes de Hanouka, c'est la même chose, tu risques d'arranger parce que tu veux aussi de la lumière. Donc Shabbat, tu dis, je veux de la lumière des nérodes de Hanouka. Comment tu vas faire? Tu veux les arranger. Le même problème que tu as Shabbat, le même problème que tu as Hanouka. Donc d'après lui, il a cassé complètement tous les axiomes que nous avons jusqu'à présent. Lui, premièrement, il pense qu'une personne, il est tenu d'être présent pendant toute la demi-heure pour que les nérodes brûlent de A à Z. La mitzvah, c'est pas ad la kaosa mitzvah, mais c'est tout le temps doit être allumé. Et deuxième, ça c'est 50% de ce qu'il dit. Le deuxième 50%, lui pense que les nérodes Hanouka, c'est comme les nérodes Shabbat qu'on aura tiré profit. Donc 50-50. Donc je vous pose une question. Est-ce qu'on peut partager l'apport en deux, oui ou non? Oui. Alors qu'est-ce qu'il faudrait dire pour dire les nérodes, l'huile qui est mauvaise, la mauvaise huile, la mauvaise chémène, on a le droit de l'utiliser pour le Shabbat de Hanouka, mais pas le jour de Chol. Qu'est-ce qu'il faudrait dire? Le Shabbat de Hanouk, il faudrait dire l'Ishtamesh. Il faudrait dire l'Ishtamesh, non? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un truc qui me dit, excusez-moi. C'est moutard l'Ishtamesh Bahem, il perd le Shabbat à sourd. Je comprends pas. Alors il y a deux moutards et après c'est à sourd. J'ai un problème. L'Ishtamesh Bahem, mais Shabbat c'est à sourd. Ce qui est assourd, c'est d'utiliser les mauvaises mèches. Parce que c'est moutard de profiter de la lumière, c'est assourd d'utiliser les mauvaises mèches. C'est ça qu'il dit. Archi. C'est ça. Parce que si tu utilises les mauvaises mèches, t'as peur que tu vas les arranger. Shabbat. Il est permis d'utiliser la lumière. Il est de faire pourquoi des Shabbat assourd. Ouais, c'est ça. Ah, parce que moi, en plus, j'ai l'histoire dans la tête qu'on ne peut pas utiliser les bougies de Shabbat parce que quand on regarde avec un livre, il va mettre. C'est ça. On a dit qu'on doit en profiter. Je me suis embrouillé la tête. Non, c'est autre chose. On doit profiter, mais sans shemayaté. Tu peux profiter, mais pas biyoun. Ta lumière n'est pas biyoun. C'est ça qu'on lit, on peut pas lire avec. Pas lire avec, mais tu dois t'éclairer. Tu as besoin de. Autre part. Je répète. Il y a deux halakhot, A et B. Premièrement, les nérodes de Hanouka. Quel est leur statut? Est-ce que c'est moutard l'ishtamesh baem ou assur? Je montre par la fin. Est-ce que c'est moutard l'ishtamesh baem ou assur l'ishtamesh baem? Dans Anrot Alalou, on dit que c'est assur. Mais Rabouna, il dit, écoutez, vous êtes trompé de Sidour. Vous n'avez pas pris le bon Sidour, vous avez pris Sidour Ashkenaz. Ben voilà, c'est ton problème. Prends Sidour Sfarad, tu verras que c'est écrit comme ça là-bas. Donc moutard l'ishtamesh, mon ami. Non, parce que c'est mon copain. Moutard l'ishtamesh baem. D'après lui, c'est moutard l'ishtamesh baem. Donc si c'est moutard l'ishtamesh baem, écoute bien. Si c'est moutard, c'est-à-dire c'est quoi? C'est que c'est comme les nérodes de Shabbat. C'est assur Béchabbat. Mais c'est assur Béchabbat. Mais que Shabbat. L'ishtamesh.
Non, non, les chemins de Hora. C'est comme les Nérodes, le Shabbat. Pour tous les jours. Que tu, si tu éteins toutes les lumières. Non, si tu éteins toutes les lumières et tu mets. Hanouka. Si tu éteins toutes les lumières et tu as besoin de rentrer chez toi dans ton bureau, bien dans l'endroit où tu mets tes Nérodes. Pour chercher un livre, tu as le droit de rentrer. Non. Il faut aller selon Ravona, oui. Hein? Selon Ravona, oui. Selon Ravona, oui. Voilà. Donc c'est Moutal, mais d'après Ravona, tu as le droit d'être Mishnah. Tu as le droit d'être Mishnah. Et donc, le fait d'être, que tu as le droit d'être Mishnah Meshbaël, cela va engendrer que tu ne dois pas prendre de l'huile ou bien des petits lots qui sont de mauvaise qualité. Parce que sinon, parce que tu vas être tenté. Le Shabbat, tu vas être tenté. De les réparer. D'accord ? Donc, pourquoi il a dit que Shabbat, on n'a pas le droit d'utiliser ces nérotes-là ? À cause de quoi ? De quelle raison ? De Mouta, l'Ishtamesh, Ben. Très bien. D'accord. Maintenant, pourquoi les autres jours de la semaine, on a le droit, il a dit à Maravuna, d'accord ? On n'a pas le droit non plus. T'as qu'à les faire. Parce qu'il faut que ça reste allumé. Parce que tu as la mitzvah de rester pendant deux heures entières. Et que ça reste allumé. Voilà. Donc tu vois bien, ces deux choses n'ont rien à voir. Parce que ça, c'est peine. Mais est-ce qu'on a très bien la possibilité, a priori, de couper la poire en deux ? Tu dis, voilà, en tout cas, moi, Shabbat, je fais comme Ravuna, mais les autres jours de la semaine, je ne suis pas comme Ravuna. Ou bien le contraire. Les autres jours de la semaine, je vais comme Ravuna. Pas possible, ça. Et Shabbat, pourquoi pas, c'est pas possible ? Ça, si je prends pas la raison, Moutar les Shlamed, le prendre la raison de la demi-heure, ça marchera aussi Shabbat. Shabbat non plus, je pourrais pas l'utiliser. La raison de Moutar les Shlamed, c'est Shabbat seulement. Mais il n'y a pas de lien entre les deux. Non, j'ai compris, il n'y a pas de lien. Mais l'autre raison, ça sera Ben Bechol, Ben Beshabbat. Pourquoi tu dis ça ? Explique-moi bien. Parce que si j'ai besoin de rester devant pendant une demi-heure et que je dois être alors Shabbat aussi, il y a le même problème. Il y a une mitzvah, comme dit la regarde la Gemara. Rav il a dit que pour comprendre Ravuna, il faut deux raisons. Tu ne peux pas comprendre Ravuna qu'à une raison. Il y a A et B. Mais A n'est pas le A. Il n'implique pas le B et le blé n'implique pas le A. Chacun, il est autonome. Chacun explique 50% de l'halakha. Un, il explique le Shabbat, un, il explique le Chol. Donc en réalité, on peut très bien trouver un qui coupe la moitié et l'autre la moitié. C'est ça que l'Agmar a dit. C'est mon Tosfot. Regardez mon Tosfot. Moutar, l'Ishtamesh, le Hora. Tosfot, il dit Thomas. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a dit ? Pourquoi Shabbat ? J'ai pas le droit d'utiliser ces alors c'est Hanouka. À cause de Moutar l'Ishtamesh Meora. Tu risques comme si Moutar l'Ishtamesh Meora de là où j'ai dit. Dis-moi, pourquoi il a besoin d'inventer ça, Rava ? Dis-moi, Adamar en Madlikim be Shabbat, Mishum. C'est valable Shabbat aussi, ça. Non, c'est-à-dire qu'il applique la même règle pour tout, les Shabbat. Pourquoi Rava il a besoin de dire, tu sais, pour comprendre tout ce qu'il a dit à Ravuna, j'ai besoin d'utiliser deux axiomes, axiome A et axiome B. J'ai besoin d'appuyer sur deux touches, axiome A et axiome B. Non, avec une, tu fais tout. Il y en a un qui marche pour les deux. Comment tu peux dire ? Tu peux dire, regardez la Svara, la Svara nous dit comme ça. Puisque Kafta Zakoukla, donc tu dois être présent. Donc Shabbat arrive. Tu peux pas toucher. Hein ? Bon, d'accord, ça sur l'Ishtamesh. Disons que ça touche sur l'Ishtamesh, Laura, d'accord ? Non, mais c'est pas Zakoukla, je suis obligé de Metaken. Mais tu vas Metaken et tu vas oublier que c'est Shabbat, tu vas être Metaken. Voilà la question que demande Tosfot. Pourquoi Rava il a besoin de dire que comprendre le Shabbat, ça veut nous dire que tu as le droit d'être Mishtamesh. Tu peux très bien comprendre la Svara de Rav. Non, pas parce que tu as le droit d'être Mishtamesh. C'est tout simplement parce que tu as une mitzvah de la laisser allumer. Donc c'est pour ça que tu vas être tenté de l'arranger. T'as compris la question ? Ben oui. Non. Vas-y, non. Avec
Kaftazakla, on peut voir les deux. On pourrait. On pourrait prendre les deux. Le Chol. Bon, le Chol, ça va, c'est bon. Le Chol, c'est bon. Mais même Shabbat, on peut dire. Voilà, on utilise. Pourquoi Shabbat, tu n'as pas le droit d'allumer les Nérotranouk avec ces huiles-là? Parce que, du fait que Kafta Zakouk là, donc tu vas être tenté à la rallumer, peut-être une Zak, ça reste allumé. Donc Shabbat, tu vas oublier. Laisse tomber, disons que tu n'as pas le droit de Mishnamet. Tu dis, attends, moi je dois faire ma mitzvah, Il faut que ma demi-heure, voilà. Shabbat, pas Shabbat, tu vas oublier, tu vas l'arranger. Voilà, c'est une raison, au lieu de prendre. Pourquoi le Rava a besoin de prendre 50-50 avec 1-50, tu peux obtenir la totalité des deux à la route. D'accord, vous avez compris. VN, Yacholad, Ligue Shabbat. Veshlomar. Veshlomar, tout ça, c'est dit que c'était bien. Veshlomar, il y a lieu de dire, Dimken, si c'était ça la raison de Rava, si c'était la raison, parce que nous, on est en train d'essayer de comprendre la vie de Ravuna, d'accord. Ravuna, il n'a pas dit pourquoi. Il a dit l'alaha. Moi, je dis, mais Rav, il n'a pas dit le pourquoi des choses. C'est Rava qui est venu donner. J'ai besoin de deux actions pour comprendre la totalité des paroles de Ravuna. Je dis, mais non, avec une suffit. Non. Et Shlomar, Dimken, si c'était ça, Rava dit, si c'était ça la raison pour laquelle Ravuna il avait dit ça, lo aya, lo avet sarir le lememar, ben bechol, ben beshabbat. Pourquoi? Qui va en dechatamahu? Alors qu'il aurait dû dire, et là, il y a les mêmes marques. En madlikim, stam. En madlikim, nerod, chanouka. Chanouka, c'est 8 jours, comment on va si je te dis pas, si je te dis pas de différence, quand tu dis, tu n'as pas le droit d'allumer avec ces huiles-là et ces mèches. Tu n'as pas le droit d'allumer. Shabbat, chanouka, tu n'utilises pas ces huiles. Chanouka, c'est quoi chanouka? On va dire, le deuxième jour, oui, le septième jour, non. Quoi, tu vas faire, pour les Tunisiens, le cinquième jour, oui. Non, j'ai dit chanouka, c'est 8 jours. Tout s'inclut quand je dis ça. Et donc, puisqu'il a dit ben bechol, ben beshabbat, on a compris que ce n'est pas la même chose. Une, c'est A, et le deuxième, c'est B. Ce n'est pas la même raison. Ce n'est pas une raison qui va être... qui va englober les deux raisons. Dimken, dans les mots. Dimken, si c'était sa raison, avec l'Oavet Sarir de Memar, ben Bechot, ben Bechabad. Ça veut dire comme ça. Kivan, le Khatar Maou. Et là, avec les Memar, comment il aurait dû dire? En Madikim, Stam. En Madikim. Et donc, automatiquement, quand on dit Stam, ça veut dire quoi? C'est tout. Mi de Kamar, ben Bechot, ben Bechabad. Shmamina. On apprend de là, chez Od Yeshtaam, Acher Beshabbat, chez Loladlik, les Vad Mitam Chol. Ben nous, chez Mayate. Écoutez bien, c'est que tu dis Tosfot, parce que vous savez, Tosfot, c'est comme un diamant. Il dit le Ramban que les paroles de Tosfot, déjà le Ramban, on a l'habitude de dire que Ayu Yoshvim, Shivanikim, Akotit Padjo, chez la Ramban. Je vois que le Ramban, il prenait son stylo, il prenait sa plume, il se trempait dans l'encre, il écrivait chaque goutte d'encre du Ramban, il passait 7 jours pour comprendre ce qu'il disait. Et il disait, moi, malheureusement, je n'écris pas médouillac. C'est pas, je peux faire mieux. Mais Tosfot, c'est le top. Il n'y a pas mieux. Tosfot, il a un lachon. La chaune, Ramin Marpé. La chaune qui nous dit qu'il n'y a pas un iota, une virgule, un vav, un e qui est en iota. Regardez ce qu'il dit Tosfot. Comment il a dit Tosfot? Là dans les mots. Tosfot, il ne remet pas en question la question qu'il a posée. Il dit, je suis Damascana, il dit, c'est vrai qu'avec une raison, t'as tout. Mais le fait que Ravuna, il a dit ça en deux temps, deux mouvements, c'est qu'il a voulu rajouter une raison à une raison. Sinon, il aurait eu marqué En Malkin. En Madlikim. Voilà. Tu comprends? Non, c'est-à-dire, il dit... parce que c'est pas que Tosfot, il change d'avis. Tosfot, il reste avec la même avis qu'il a dit avant. C'est moi, il vient de dire, tu sais, le fait qu'il a été mépharet. Il a bien distingué le Chol et le Shabbat, c'est qu'il y a une raison globale, mais il y en a une spécifique pour le Shabbat aussi. Mais c'est vrai qu'en réalité, il n'aurait pas besoin de la dire.
parce qu'une ça suffit. Mmh. Mais le fait qu'il dise, c'est qu'il veut nous apprendre une deuxième halakha là-dessus. Il veut une deuxième couche. La première couche, deuxième couche. Mais quand tu mets la deuxième couche de peinture, tu effaces la première couche. Mais non, mais là, non, c'est pas que tu effaces. On va t'explorer. Même dans la peinture, tu ne dépasses pas. Parce que tu améliores. D'accord. Mais là, c'est pas. C'est, non, c'est pour ça que tu es dans la peinture. C'est comme si quelqu'un, tu vois, un informaticien qui. Un Windows pour les nuls qui commence en train de lui parler à un ingénieur d'informatique. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu crois que je sais pas de quoi tu parles. D'accord. Là, dans les mots. Là, dans les mots. Et là, elle m'a dit comme ça. Mi deka amar ben mechol ben shabbat, shma mina. Dans les mots, she od yesh tamachar ben shabbat, she lo ladik levad mita machol. À part celui de chol, t'as aussi le shabbat. Mais c'est pas que un, ça vient exclure l'autre. Ça vient rajouter. Bah, et nous, she mayat, azakoba. Vim ken sabar de mutal shemesh lora. Bravo. On avait compris? Bon, mais là, il a expliqué pas que c'était différent, c'est que l'un s'ajoutait à l'autre pour Shabbat. Hein? Quoi? Ouais. Il a expliqué le fait que c'est Shabbat, l'un deux raisons. À l'autre pour Shabbat. Oui. Du coup, on comprend que Shabbat, il y a deux raisons. Il y a deux raisons. C'est ça qu'il a fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Et Rolien Sol. Rolien Sol. Maintenant, regardons le Tosfot Yeshanim. Yeshanim. Il est où le Tosfot Yeshanim? Sur la marge ici. D'accord. Ça, c'est Tosfot, ça aussi. Ah bon? Non, c'est pas le N Mishpat. C'est Tosfot. Tosfot Yeshanim. Pas Yeshanim, Yeshanim c'est qu'ils dorment. Yeshanim c'est qu'ils sont anciens. Les Tosfot ne dorment jamais. Les Tosfot ne dorment pas. Les Tosfot ne dorment jamais. Et quelle est la différence avec Tosfot ancien et. Parce qu'on a déjà dit qu'il y avait, que dans la Yeshiva des Tosfot, il y en avait 400 en tout. Il y a 400 balles de Tosfot. Pas tous ont écrit, mais il y avait énormément de Tosfot. C'est quoi Tosfot? C'est comme une sorte de rajout pour le rachat. Là, ici, c'est écrit Tosfot, Yeshanim, dans le manuscrit. D'accord. Ils ne sont pas rentrés dans le truc, on les a rajoutés après. Il y a Tosfot Yeshanim, Tosfot Rabbeinu Peret, Tosfot Rabbeinu Amikor, Tosfot. Il y a toutes sortes de Tosfot. Tosfot Arosh, il y a les Chachmet Anglia. On a vu Véron la semaine dernière. Véron, on avait vu la semaine dernière. Bravo. Et Rabbi Mouchanel, hein? c'était un tune. Je sais. Il n'était pas dans le club de Tosfot. Il était bien avant. Avant le. Il était bien avant. Il était avant, il était presque 150 ans avant le Tosfot. Le ministère Rabbi Mouchanel, c'était le fils de Rabbi Mouchanel qui était un des géonymes. C'est-à-dire, vous savez, les Géonim, Rab Aïgaon, Rafael Aïgaon, lui, Rabbi Nochushiel, c'était le dernier des Géonim, et son fils était le fils du Géonim. Il n'a plus le statut de Gaon, mais c'est un Richon, mais il était le fils d'un Gaon. C'est pour ça qu'on dit Kol Devarav dirait Kabbalah. Là, tout ce qu'il disait tunisien, c'est Kabbalah. Bon, on a quand, n'a pas aimé. Quand il explique ici, c'est quoi quand il explique ici dans le Gemara? Oui, ça. Il explique la Gemara. Mais justement, parce que Rabbi Nour, c'est ça le problème. Les Géonim, ils n'avaient rien à expliquer. Tout était simple. C'est-à-dire que. Mais c'est pour les autres. Regardez dans Rabbi Nour Hanel, dis rien. Il répète la Gemara. Ah, une fois, tu as trouvé un mot qui dit, tu trouves une perle. Dis rien parce que c'est. Oui, mais il a un lachon un peu plus compréhensible, je trouve. Oui, parce qu'il il fluidifie le. Le texte. Ouais. Mais il dit rien. Alors, pourquoi? Parce que pourquoi il dit rien? Parce que c'était tellement simple. C'était évident pour eux, peut-être. C'est tout compris. Hein? C'était évident. C'était le même façon de penser. C'est comme on a demandé un jour, vous savez, il y a un secteur dans les Chivots qui s'appelle Tchot Akhoshem. Alors, ils ont demandé une fois à un grand gadol d'Israël si on prenait le Tchot Akhoshem, c'est ce que tout dans les Chivots, ils disent actuellement, comme tu dirais, je sais pas moi, le livre de chevet de chaque Bahoué Shiva dans les Chivots. Tu prends ce livre, c'est des pifoudim, des machins, tu l'amènes au Rif. Qu'est-ce qu'il aurait dit, le Rif, sur ce livre-là? Qu'est-ce qu'il aurait dit? Il dit bravo, 20 sur 20, tu as la moyenne, médiocre. Qu'est-ce qu'il va dire? Il a dit pas chaud. Il a répondu, il dit, je ne sais pas pourquoi tu as utilisé tellement d'encre pour dire ça. C'est ça.
Ça va dire. On n'a pas besoin. Tout est simple. Pourquoi tu m'as tellement parlé ? Des preuves, des contre-preuves. C'est ça. Tout ce que tu dis, c'est vrai. Mais tu n'as pas besoin d'expliquer. Tu n'as pas besoin d'expliquer tout ça. C'est la même chose. Tu as aussi. Je pose une question, pardonnez-moi. Et pourquoi, avant Tosfot, qu'est-ce que disaient les gens ? Parce qu'on va. Et Ravachi, pourquoi il n'a pas dit Tosfot ? C'est simple. Tu n'as pas besoin d'expliquer les choses simples. C'est sont compliquées. Le problème, c'est la complication. Plus nous, on avance dans les années, et plus on comprend rien. Vous savez ce qu'il disait Rav Tzadok HaKohen ? Il disait, c'est, nous, qu'est-ce que nous sommes ? On est des nains. Des nains. Tout ça. Un nain, vous savez, un nain devant un géant. Seulement, la Torah, c'est des géants. Rashi, c'est un géant. Le Rambam, c'est un géant. C'est un sauf. Nous, on est des nains. Quand tu les mets un nain devant un géant, il ne fait même pas le poids. Seulement, pourquoi la Lacha, c'est Kebatraï ? Pourquoi la Lacha, c'est comme les derniers et pas comme les premiers ? Si on est des géants, des riches sont des géants, alors pourquoi nous, on ne va pas la Lacha comme le Batraï ? Parce qu'il dit, tu prends le nain et tu le mets sur la tête. Il est un peu plus grand. Non, c'est-à-dire, quand tu le mets en bas, il ne fait pas le poids. Mais lui, le nain, quand tu le mets là-haut, il dépasse un chouïa du géant, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que nous, qu'est-ce qu'on fait ? On utilise tout ce que tout le monde a dit. Quand tu sais tout ce que tout le monde a dit, tu dis, bon, moi, j'ajoute un petit... Tu fais un petit... nul, mais bon, t'as dit quand même quelque chose de plus. Parce que tu savais... Mais évidemment, si tu n'avais pas utilisé toute ma sagesse, tu serais arrivé au ras des pâquerettes. Donc c'est ça l'explication, d'accord ? C'est Rav Israël. Il disait c'est pour ça qu'il a marqué Tikou et pas Miku. C'est pas pourquoi c'est pas marqué Moshe Miku. Ah ouais, pourquoi ? Parce que Moshe, ça parle de nos histoires. Il y a que Yohan Nabi, c'est une chaque génération qui va être à notre. Et Yahou est arrête. Je crois que c'est Yahou et pas Moshe. Allez-y, allez-y. Merci, d'accord. Faites pas assez de bruit, faites un peu plus de bruit. Non, mais au contraire, tout le monde c'est bien. Quand c'est chaud, c'est bon. J'ai eu de la chance, hein, parce que moi je l'avais lu au début une fois, deux fois avant de comprendre un petit peu. Là, je vous explique bien comment il faut. Alors regardons Tosfot et Yeshanim, d'accord les amis ? Voilà, parce que moi il est un peu effacé. Non, c'est bien. Non, juste il y a toutes les premières phrases, toutes les premières lettres. Béa, les Kalememar dit Ave Amar en Madlikim Stam. Je dis qu'on va. Le problème, c'était quoi ? Puisque Ravuna, il n'a pas dit « El Madikim Stam », mais il a dit « El Madikim Bechalal ». Et Bechol, oh, tu dis deux halakhot, donc c'est deux halakhot différentes. Mais moi, je t'aurais dit, tu sais pourquoi il n'a pas dit « El Madikim Stam » ? Pourquoi il n'a pas dit le que ça va englober, le mot qui va englober toute la semaine de Hanouka ? Parce que j'aurais pu croire « Avamina, Aleph et Savamina, Daïnou Bechabat ». Parce que moi je dis, En Madikim, Nerot, Hanouka, on n'a pas le droit d'utiliser ça. Nerot, Hanouka, En Madikim, moi j'aurais dit, ouais, mais c'est sûr que tu vois du Shabbat. C'est ça le truc. Ben oui, c'est ce qu'on a dit en premier. Hein? Tout à l'heure, quand on a dit Madikim, on a parlé de Shabbat tout de suite. Mais oui, parce que quand on dit En Madikim, donc tu aurais dit, on parle du Shabbat de Hanouka. C'est ce qu'on a dit en premier. Parce que quand tu parles En Madikim, Nerot, tu parles du Shabbat, tu parles pas maintenant de Hanouka. Ou bien les Nerot de Baba Salé. Tu allumes aussi, mais c'est pas ça qu'on parle. Mais en plus, même le texte. Ou bien tu vas pèleriner et t'allumes des Nerot. On parle pas de ces Nerot là, d'accord ? De toute façon, même le texte de la Gemara, il est construit comme ça, qu'il explique d'abord qu'on n'allume pas Shabbat et on n'allume pas Hanouka. Donc c'est à la suite. On est encore dans. Voilà. Donc il a commencé par Hanouka et Shabbat. Donc si on avait dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Le fait qu'il a dit Shabbat et Hanouka, ça voudrait dire qu'il y a deux à la ronde. Non, parce que s'il avait dit Shabbat, il aurait dit Stam d'une manière globale. Je dis, il parle rien du Shabbat. Mais vous pensez, c'est du hall. C'est Mouta. Eh oui, c'est ça. On représente ça. Ou Mishum, les moutards, les chamesh l'aura, à Valbechol, Madlikim, les captains de Koukla. Il dit, si c'était ça, voilà, donc c'est une question. Non, il dit, non, on ne peut pas dire comme ça. Pourquoi ? Dimken, l'eau avait des mémars en Madlikim Bechanouka. Et là, Edia avait des lomars. Nerot Chanouka, moutard, les chamesh l'aura. Tantôt, il dit, en vérité, si tu parlais que du Shabbat,
pourquoi tu nous fais une farce ? Il nous dit comme ça. Toi, en vérité, tu veux nous apprendre la halakha de quoi ? Que moutard d'ishtamesh l'aura. Moutard d'ishtamesh l'aura. Alors, qu'est-ce que tu nous fais une farce ? Tu nous dis, les nerot de Hanouka, on a le droit de les allumer avec ces tels et tels petits dots. D'accord ? C'est ça. Et pour nous apprendre en vérité que moutard d'ishtamesh l'aura. Mais dites-le ! Mais dites-le ! Pourquoi tu parles d'une manière détournée ? Si c'était... Non, mais Shabbat, puisque lui dit que c'est ça, c'est ça, ça qu'il veut dire, c'est moutard le Shabbat, d'après Ravuna. D'après Ravuna, il a dit à Marava, Matama de Ravuna, Kassava, Katazakula, moutard le Shabbat. Si c'était ça ce que tu voulais dire, mais dites-le, pourquoi tu l'as dit d'une manière cachée, d'une manière détournée ? Vous avez compris ce qu'il a dit ? À peu près. Non, du à peu près, je veux dire. 99,999, à l'infini que j'ai compris, ça doit être un coup. C'est nul. Non, pas c'est nul, c'est faux. Ou 100% t'as compris, ou bien t'as pas compris. Il n'y a pas, j'ai compris à peu près. J'ai compris à peu près, ça doit être pas compris. On peut pas comprendre à peu près. Ou oui, ou non. Et là, je vois pas la différence avec le Tosot qu'on vient de lire avant. C'est quoi le Tolstoy? Qu'est-ce qu'il rajoute par rapport au Tosot? Il rajoute, nous on a dit que sur quoi est basée l'intervention de Rava. Sur quoi est basée l'intervention de Rava? Elle est basée du fait que Ravuna, il a dit deux halakhot distinctes. Et donc ça veut dire qu'il a voulu rajouter une deuxième halakha sur la première. Parce que s'il voulait dire que une seule halakha, il aurait dit directement El Madlikim. Alors il dit, mais c'est pas vrai. Parce que s'il avait dit El Madlikim, tu aurais pu te tromper. Pourquoi est-ce qu'on aurait parlé forcément... J'aurais pu croire que ça parle que du Shabbat. Il dit, mais non, tu n'aurais pas pu te tromper. Parce que s'il parlait que du Shabbat, il aurait dit explicitement Moutar, Lishtamesh, Leora. Maintenant, vous avez compris? Mais la réponse, mais moi je vous pose une question maintenant. Moutar, Lishtamesh, Leora, on a vu que Rabouna lui dit que c'était. C'est permis. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'utiliser ces nérotes. C'est des routes qui ne marchent pas bien. Mais moi, je vous pose une question. Alors, si c'est comme ça que Ravuna dise Moutali, Mishtamesh, le Hora, Vekafta, ça coupe là. Si Tosfot dit, si tu voulais nous dire cette halakha, ben t'as qu'à dire la raison, automatiquement on comprend le din. Qu'est-ce qu'il y a à dire à vous là, des dinim? Ça c'est assourd, ça c'est assourd. Je me dis, mais si vraiment tu voulais dire, t'as qu'à dire la raison? Qu'est-ce qu'il y a besoin de dire le din? Dis la raison. Parce que s'il y avait peut-être la raison, on n'aurait pas compris les deux dinim de cette façon-là. En posant le din, oui. En prenant les deux dinim, oui, oui. On arrive à mieux définir la raison. Les deux dinim? D'accord, en posant les deux dinim, oui. on définit mieux, oui. la raison pour mais laquelle Ravuna, il a défini les deux Ravuna, dinim. Ravuna. Lui, il a pas conçu comme tu dis toi. Lui, il a comme moi, il a conçu les choses. Je dis, moi, Ravuna, le din, et toi, tu en déduis la raison. C'est ça qu'il a fait, lui. Et donc, puisqu'il a dit deux dinim, donc ça fait deux halakhot. Il y a deux raisons. Attention, je rentre. Deux dinim est égal à deux halakhot. Ah bon? Ah oui, ça. Deux dinim, c'est deux halakhot. Tosfot, il a demandé. Je comprends pas. Qui a dit deux dinim, c'est deux halakhot? Peut-être en réalité, on va être un seul din, tu as qu'à le dire d'une seule manière globale. Pour englober les deux. Les deux. Soit dit, non, parce que si tu dis. De préciser, c'est qu'il y en a. Ça veut dire, vas-y, dis. Non, mais moi je veux que tu dises. Non, mais s'il a eu besoin de préciser, c'est qu'il y en avait un qui venait s'ajouter à l'autre. Donc l'autre, il exclut pas. Il va juste bien s'ajouter. Ça, c'est ton soin. Qu'est-ce que tu demandes au soin des Chanim? Si ton soin des Chanim. On peut travailler le. En Madlikin Stam.
Non, mais ça, il le dit ça aussi, Tosfot normal. Il le dit aussi. Il dit les Shabbats. Michoum de Moutar, les Ishtamesh, les Ora. On va le faire. Et la Bédia, ça veut dire quoi? Et là? Et la Bédia. Explicitement. Explicitement. On a plus de facilité à faire. Dimken, l'eau avait les mêmes. Dimken, l'eau avait les mêmes. En Madikim, les Hanouka. Et la Bédia avait les mêmes. Les autres Hanouka, Moutam et Chamech Laura. Dimka, à partir de Dimka, c'est la réponse. Jusqu'à Dimka, c'est la question. Oui, c'est la question au début. Voilà. C'est la Gemara. La Gemara, c'est un match de décortiquer une réflexion. Mais il a besoin qu'on a besoin que d'une raison. Pas de deux. Il faut que tu suives le public. Vous avez pas. Lui, il avait dit maintenant, elle m'a dit ça. Mais est-ce que non, je veux pas de question. Répète d'abord. Pas de question. D'abord, répète le Tosfot. Le Tosfot. D'abord, pas Yishan. Le Tosfot ça, mais il dit que en fait, il y a deux raisons pour les. D'abord la question. Tout la question. Il faut rentrer dans le système. La question. Voilà. D'où Ravai. Qu'il y a deux raisons. Expliquer c'est à la fois là, tu n'as qu'à dire que l'autre raison, et cette raison là, elle marche pour tout, elle marche pour tout, ça se connaît. C'est quelle raison, comment ça s'appelle cette raison? Kafta Zakou, Kafta Zakou. C'est autre faute, c'est autre faute. Il dit non, en fait, il y a deux raisons. Une qui vient de. Non, c'est vrai, c'est vrai, mais l'autre, c'est pour nous lâcher. Ben Béchabat, c'est le premier qui s'est exprimé de cette manière. Ben Béchabat, de cette manière générale. Ça veut nous dire qu'il veut les séparer des cas. Ça, il y a une raison pour cela, il y a une raison pour l'autre. Ça, c'est Tosfot. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Tosfot Echanim? Mais non! Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Parce que sinon, on aurait dit. Qui t'a dit ça? Toi, tu m'as dit. Parce que sinon, il aurait dit. Stam. Tout, Stam. Il dit, mais il ne peut pas dire Stam. Mmh. Parce que si il dit Stam, tu vas te tromper. Si tu dis Stam, tu vas dire que ça parle que du Shabbat. Qu'est-ce que tu as dit? Si tu voulais englober les deux à la Chol, tu as qu'à dire Stam. Et ça parle de tout, de Shabbat et de Chol. Mais non! Si je dis Stam, tu vas te tromper. Comment tu vas te tromper? Tu vas dire, non, de quoi il parle? Ah, il parle que du Shabbat. C'est ça qui dit dans ton Tosfot. D'accord? C'est la question de Tosfot Yeshanim. C'est la question de Tosfot Yeshanim. Tosfot Yeshanim, il pose une question sur Tosfot, ça veut dire. Oui, bravo. Tosfot Yeshanim, il pose une question, c'est une suite du Tosfot. La profonde. Vas-y, répète la question. Depuis le début? Non, depuis maintenant. Qu'est-ce qu'il demande Tosfot? Tosfot Yeshanim. Non, Tosfot, il dit. Tosfot, il a dit. Comment il a répondu à la question? Il a répondu à la question en disant il y a la deuxième raison. Elle est vraie. C'est vrai qu'on aurait pu. Kafta Zakoukla, ça suffit. Trouver qu'une seule raison. Mais la deuxième raison, elle vient nous ajouter que de donner une raison pour le Shabbat lui-même. Non, pas la deuxième raison, la deuxième dîme. Le deuxième dîme vient nous apprendre une nouvelle halakha. Parce que sinon, s'il voulait dire qu'une seule. Il aurait écrit qu'il y a une seule raison. Il aurait marqué Stam. Il aurait dit Stam. Parce que tu demandes aux fautes, Nishanim. Non, mais non. Mais non, tu ne peux pas marquer. Et ça, parce que si tu marquais une seule chose, j'aurais me suis trompé, j'aurais pas cru que ça parle de Shabbat et de Chol, j'aurais pu pas croire ça, j'aurais cru que ça parle que du Shabbat. Parce que le Lachon, elle m'a dit qu'il venait rentrer à nous, j'aurais cru que ça parle du Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'il répond? Il a séparé la question. Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'il répond Tosfot, Yeshanim? Il dit, si vraiment le fait de ne dire que Stam, Ça parlerait que du Shabbat, d'accord? Alors, s'il ne parlait que du Shabbat, il n'aurait pas pu parler de cette manière
En Madlikim, Nerot, Hanouka, Beshabbat. Parce que si c'est ça que tu voulais dire, tu aurais dû dire la raison et pas la halakha. Et la raison. Oui, tu commences à bien. Tu dis la raison. Tu dis la raison. Maintenant, il aurait dû dire les deux. Il aurait dû dire les deux. Non, dans la question que. On est dans la question de Tosfot Shanim, on dit que peut-être qu'il a, il aurait dû dire Stam, et ça englobe tout. Tosfot Shanim, qu'est-ce qu'il a dit ? Non, en disant Stam, j'aurais pu croire que quoi ? C'est Shabbat. C'est que Shabbat. Elle dit non, tu peux pas croire ça. Tu peux pas croire que ça parle du Shabbat. C'est impossible qu'il parle que du Shabbat. Parce que s'il parlait que du Shabbat, il ne saurait pas exprimer de cette manière-là. Parce qu'il aurait préféré dire la raison que de dire la halakha. Sur ce, moi. Là où je demande, mais et maintenant qu'il a parlé des deux, pourquoi il n'a pas dit les deux raisons? Parce qu'on aurait parlé que du Shabbat. C'est encore trop tôt pour comprendre ma question. Non, mais si déjà il donne une raison, pourquoi il ne donne pas la deuxième directement? Qu'est-ce que t'entends, Jenny, me dit? Tu sais, en réalité, c'est pas possible qu'il parle du Shabbat. C'est pas possible qu'il parle du Shabbat. Parce que s'il parlait que du Shabbat, il aurait dit la raison et pas la halakha. Parce que le problème, c'est que Ravuna, il a dit une halakha, il n'a pas dit pourquoi. Mmh. Il dit, sinon, il aurait dû dire la raison et pas la halakha. Et maintenant qu'il a deux raisons. Il donne deux halakha. Il a qu'à dire les deux. Il a qu'à dire les deux raisons. C'est pour rajouter une couchette sur le Tosfot. Oui, je pose une question sur le Tosfot. Pourquoi tu dis pas ça en plus? Mais oui, la réponse qu'a donné le Tosfot et Shanim. Moi, je n'ai pas compris la réponse de Tosfot et Shanim. J'ai compris la question, mais je n'ai pas compris la réponse. La question de Tosfot. Réponse de Shanim, elle ne marche pas. Parce que moi, je pose une question sur Tosfot Shanim. Bah oui. Après, il y a les Shanim des Shanim. On va vous rajouter, c'est ça. Vraiment, il y a Shanim. Tout le monde va dormir. Tout le monde va s'endormir. Moi, je n'ai pas compris la réponse. La réponse de Tosfot Shanim, tu as compris? Pourquoi il aurait dû dire la raison? Je n'ai pas compris. Je vous explique. Il y a écrit que à Torah, Niknet, Be'arba'im, Be'shmoné, Varim. D'accord ? Comment on fait ? Arichat sefataï. On te dit d'Agmara, Arichat sefataï. Il faut répéter. Répète. Même si tu as compris, répète. Comme ça on fait. On ne peut pas prendre la Torah comme ça, prendre une cigarette, oui, j'ai bien réfléchi. Répète. La question-réponse, question-réponse, question-réponse. Tu répètes, ça, c'est comme un engrenage. C'est comme tu mets de l'huile dans l'engrenage. Et après ça tombe bien, après ça tombe. Allez, qui c'est qui veut répéter la question du Tosfot, la réponse de Tosfot, la question de Tosfot et Shanim, et la réponse de Tosfot et Shanim, et ma question. Donc, bientôt, vous allez recevoir la réponse, ma réponse. Oui, j'arrête au troisième. J'arrête à la question de Tosfot et Shanim. Allez, on répète. Allez, la première question de Tosfot, c'est la plus facile. C'est bien. Ça, c'est Tosfot, il pose la question d'où il sait Rava, qui a deux raisons pour différentes pour le Shabbat, puisque la première raison s'appelait Kafta Zakokla, elle marche très bien pour les deux. Pourquoi Rava, il est obligé de dire que j'ai une autre raison Shabbat? C'était la. Voilà. Alors, parce que la vérité, c'est en disant Kafta, t'as tout dit. Ouais, voilà. Réponse, il fait un diouk des paroles de Ravuna, où il dit Ben Bechol, Ben Beshabbat. Si il dit Ben Bechol, Ben Beshabbat, il met en avant le fait qu'il y a deux mondes différents, donc deux raisons différentes. Parce que sinon, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Sinon, il aurait dû dire Ahmad Likim sans préciser. Ahmad Likim, Bechabat, Bechanouka. Bechanouka. Qu'est-ce qu'il vient de Tosfot Yeshanim? Il dit non, il aurait pu dire. Comment tu peux penser un instant qu'il aurait pu dire ça? Il ne pourrait pas dire ça. Pourquoi? Parce que s'il avait dit ça, j'aurais pu imaginer que ça ne couvre que le Shabbat. Que le Shabbat. Bon, jusqu'à là, ça va, mais c'est la réponse de Tosfot Yeshanim. Réponse. C'est pas vrai, c'est impossible qu'il ne parle que du Shabbat. Parce que quoi? C'est sûr que s'il avait dit El Malikim Bechanouka, ça parle de tout. Pourquoi est-ce qu'il aurait donné la réponse? Parce que s'il parlait que du Shabbat, il ne saurait pas exprimer de cette manière. Pourquoi il ne saurait pas exprimer de cette manière? Parce qu'il aurait donné la raison, Mathieu. Pourquoi il aurait donné la raison? Pourquoi il aurait donné la raison? Parce que tu dis quelque chose, tu donnes la raison d'abord. Tu dis pas. Pourquoi la raison d'abord? Mais là, pour essayer de donner les deux à la fois. C'est que la raison plus précise que la raison qui aurait suffi pour définir. Je n'ai pas compris.
Parce qu'au lieu de, il aurait dû dire la raison. Voilà. Pourquoi? Mais il n'a pas donné la raison. Mais c'est ça le problème. Mais d'accord. C'est-à-dire que les achats de la marque sont plus précis que la raison. Quelqu'un tend la tête à comprendre. T'as dit quoi? Le lâche. Je n'ai pas compris cette réponse. Le dîner qu'il a donné. Pourquoi il aurait dû donner la raison? Donc la réponse est dans les réponses. Voilà, la réponse est plus précise. C'est de me donner la raison. C'est mieux de donner la raison que de donner à la ra. Oh, maintenant que tu dis les deux à la fois, dis les raisons aussi. Ben oui. Après, voilà. Bravo, t'as compris alors ma question. Mais moi, j'avais pas compris la réponse de notre question. Voilà, j'avais déjà là. Vas-y, réponds. C'est mieux ça que ça. Vas-y, répète-moi. Pourquoi tu veux du jeu au cache-cache? Tu joues au cache-cache, t'as trouvé c'est quoi jouer au cache-cache? En fait, sa question, c'est exactement notre question. C'est donc on comprend pas la réponse de notre association. On comprend très bien. Si c'est bien de donner la raison dans le cas où il y a un seul, c'est aussi bien de donner la raison dans le cas où il y a deux. Bravo. Et on voit bien que Rabouna, il n'a pas donné. Ma question. Okay. Mais laisse ma question. La réponse de Tosoté Chanim, c'est quoi? Je comprends une question. Quand je te parle, je te parle en chinois et toi, tu dois prendre ton iPhone et traduire. Et je te parle en français. Tosoté dit, qu'est-ce que Rabouna, il est en train de nous faire dans des jeux de mots, là? Mais tu sais, le chol, le shabbat, tatati, tatata, et donc toi, tu vas comprendre. Ah, le chol, ça veut dire kafta. Le truc, ça veut dire moutard les chamèches d'Ora. Mais dis-le. Tosoté dit, mais dites-le. Pourquoi tu ne dis pas? C'est mieux de parler. Dis les chamèches d'Ora et on aura compris. Après, on fait, c'est mieux de donner les raisons que de donner des alarmes. On ne sait même pas de quoi ça parle. Votre question, c'est pas la question. Non, ma question, si c'est mieux de donner des raisons que de donner des alarmes. Alors maintenant qu'il a dit Ben Bechol, Ben Bechabad, pourquoi il ne donne pas la raison? Bravo, voilà, on y arrive. Ah. Ça a pris une heure, mais non, on est arrivé. Donc il faut croire qu'il y a une différence. Mais Alors la différence, c'est comme ça. C'est qu'en vérité, on a bien compris la question. Ouais. On sait bien encore. Pourquoi il a Non, mais quand tu comprends le toi, tel quel, c'est facile. Toi, c'est mieux de donner des réponses, des raisons que de donner des trucs qui dans le de fou. Tu donnes à la rate, tu peux pas savoir. Pourquoi il dit ça? C'est la folie, c'est quoi? Mais tu as raison, ça y est, on a compris. Pourquoi tu fais des cache-cache qui jouent? Parce qu'on aurait peut-être pas arrivé, on serait peut-être pas arrivé à là. Comment t'aurais fait pour comprendre ça? Il n'y a pas d'autre manière de comprendre ça. Hein. Et d'où on aurait su que ça serait. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. S'il avait donné les raisons, d'où on aurait su qu'on parlait aussi de Geoffroy? Oui, c'est ça. Quand tu vais expliquer Geoffroy, il va me mettre un chat compliqué. Au contraire, il va être efficace. Non, si on avait dit que les HTMH n'aura, ou que les raisons, comment on serait remonté? Bah oui, c'est moutard l'ishtamesh l'aura, c'est comme Shabbat. De quoi? Et pourquoi Shabbat on a mais on n'aurait pas la mitzvah de Zakoukla. Hein? On n'aurait pas la mitzvah de Zakoukla. C'est pas grave, pas Zakoukla, mais c'est quand même moutard l'ishtamesh l'aura. Ça suffit déjà ça. Pourquoi ça suffit? Ça suffit. Non, ça suffit connaît. Pour le Shabbat seul, ça ouais. Suffit déjà moutard l'ishtamesh l'aura. Dans ton société Shanim, il te dit, j'aurais pensé que c'est Shabbat, on est dans ce cas-là. On est dans cette branche-là. C'est pour ça que Zakoukla, on aurait su que c'était le. Non, Zakoukla, peut-être. Tu n'aurais pas pu être un peu autrement. Les deux ensemble. Oui, mais quand tu dis Moutal et Shemesh Lora, tu sais que ça parle que du Shabbat. D'un côté, c'est pour le Chol. L'autre, c'est pour le Chol. Mais t'aurais dit, si tu veux parler du Shabbat, eh ben dites-le. Moi, je pose la question alors. Alors, j'ai proposé une réponse. Parce que j'ai proposé une réponse que si la raison que j'avais donnée pour Shabbat, très bien, j'aurais donné une raison pour Shabbat et une raison pour Chol, j'aurais peut-être pensé que la raison de Chol, elle ne s'applique pas le Shabbat. Et que si j'avais pas le Moutal et Shemesh Lora, à ce moment-là, peut-être ça aurait été. Ça aurait été que pour Chol. Et que Shabbat, j'aurais pu. La question que vous avez posée, c'est dans le cas où on est Ben Bechol, Ben Bechabbat, pourquoi je n'aurais pas donné? Alors, si j'avais donné les deux raisons, j'aurais pensé que la raison de Shabbat ne marche que pour Shabbat et la raison de Chol ne marche que pour Chol. Alors que là, la raison de Chol, elle marche aussi pour Shabbat. Oui, Zakoukla, elle marche aussi pour Shabbat. Non. Pourquoi tu aurais dit que la raison de Chol marche pas pour Shabbat? Mais non, le Chol, c'est pas pour Shabbat. Parce que déjà, on sépare. Si on donne deux raisons, on a l'impression qu'il y a deux raisons indépendantes. Et que le monde du Chol, c'est le monde du Chol, le monde du Shabbat, c'est le monde du Shabbat. Alors que la raison de Kafta Zakoukla, elle marche pour tout. J'aurais perdu ce. Alors que pendant le Chol, tu peux être Mishtaken, c'est le Zakoukla. D'accord, tu aurais pu. Mais si tu dis Kafta Zakoukla, autant que tu inclus ça.
Professionnel, il n'est pas extrêmement compact. Professionnel, il a bien répondu. Il dit qu'on ne joue pas au cache-cache. Mais en fin de compte, il a 8 jours au cache-cache en fin de, à la fin du parcours. Ravuna, il joue. Alors, dis comme ça. S'il y avait Régnina Lacha, il ne joue pas au cache-cache. Toi, qu'à de Lacha, tu viens le droit de jouer au cache-cache. Pourquoi? Pourquoi une à la crainte, t'as pas le droit? Parce que Shabbat, il y a deux raisons. Parce que Shabbat, il y a deux raisons. Je pense que je vois comme ça. Shabbat, il y a deux raisons. Il y a deux raisons. Alors, si j'avais donné. Si j'avais coupé en deux le truc, j'aurais perdu le fait que dans Shabbat, il y a deux. On peut pas dire comme ça. Ça vient exclure quelque chose. S'il a mis les deux à la fois, c'est que ça vient exclure. Tu dis presque vrai. À chaque fois, tu te trompes. Chaque fois, tu. À la fin. Il a pas essayé de tout raconter. Non! Attends. Toi, déjà, il me dit, je comprends pas, on ne joue pas à cache-cache. On parle. La Torah, c'est le Emet. Titel, Emet, il y a quoi? Ça prend la semaine. On joue pas. Tu sais, je te dis le truc, tu comprends pas, je t'ai exprès. Vous savez, quand vous êtes. Je vous dis un exemple. Quand vous êtes chez des grands maîtres, jamais ils vous disent tout ce qu'ils savent. Parce que s'ils vous disent tout ce qu'ils savent, vous allez les dépasser. Toujours, il te. Tu vois, j'ai rien dit. Comment on peut faire pour faire ça? Comment tu fais ça, mon fils? Mais la moitié, ça, tu vas pas réserver. C'est pas grave. Je vais pas te dire tout. Parce que si je te dis tout, alors après, j'ai besoin de toi. Mais dans la Torah, c'est pas comme ça. La Torah, on dit tout. Parce que. Kol Adam et Kané, Kout Midno et Talmido. Parce que moi, si par exemple j'ai breveté un produit, je peux pas te le dire moi. Parce que je te le dis, tu vas me le voler. Non, je te le dis pas. Je te le dis pas. Si je trouve un système, je te le dis pas. D'accord? Si tu as ouvert une boîte, toi, tu as trouvé un système, un fichier de client, je ne peux pas te le dire. Parce que je te dis mes clients, alors après c'est fini. Donc ça ne marche pas. Mais attends, c'est pas comme ça. Si moi j'ai trouvé un fichier, je te le dis. Non seulement je te le dis, mais j'ai une mitzvah de te le dire. Et si je ne le dis pas, je suis un gazlan. Parce que la Torah, c'est pas à toi. Et donc, le fait que toi, maintenant, tu es détenteur d'une vérité, laissez-moi tranquille, c'est mon truc à moi. Un gazlan. Tu dois le dire, et c'est une mitzvah de le dire. Et si tu ne le dis pas, tu es ouvert sur l'autre qui exole. Celui qui possède l'information, il domine les autres. Comme il dit dans les entreprises, celui qui possède l'information, il domine les autres. Voilà. Il a le pouvoir. Qui détient l'information détient le pouvoir. Mais est-ce qu'on peut dire que. Exactement, c'est celui qui a l'information, il détient le pouvoir. Mais la Torah, c'est exactement le pouvoir. Mais est-ce qu'on peut dire que Ravuna, en fait, il dit ça pour nous apprendre qu'en fait, il tient à Ishtamesh Leora pour le Chol. C'est ça qui veut nous apprendre. Pour le Chol, à Chanukah. Non, pour Chanukah. Ishtamesh Leora, c'est Shabbat. C'est quand pour Shabbat. Non, mais aussi pour le Chol, pour Chanukah, je parle. Mais ça marche pas pour le Chol. Alors, réponse. On va dire comme il a dit, on va un peu arranger, d'accord. On reprend la question. Comment se fait-il que de jouer à cache-cache pour un. Non, on peut pas. Mais deux, oui. Je comprends pas. Tu dois dire la vérité. Dites-le, mais dis-le. Mais pourquoi tu ne le dis pas? Alors lui, notre ami Dov, il a voulu répondre. En vérité, non, parce que en disant les deux tamim, je ne vais pas avoir les deux à la chotte. Mais comment? Pourquoi il n'a pas dit pourquoi? Que lui, il vient, lui, j'ai un autre, et les postes-là. En fait, on essaie un autre... En disant les deux... En disant les deux tamim, tu peux pas avoir les deux à la fois. Un troisième? Non. Non, parce que là, tu vas te tromper. Tu vas tromper quelque chose. Il y a un tam pour une halakha. Tu vas tromper quelque chose. Tu sais pourquoi tu vas tromper quelque chose? Parce que je veux vous dire la réponse. Parce que si, écoutez bien, est-ce que vous avez... si vous n'avez pas compris la question, ça ne sert à rien la réponse. Vous n'allez même pas kiffer. Répète la question. Il faut que je réponde 4 fois. La réponse, pourquoi Tosfot à Yeshanim, il dit qu'on préfère une fois donner la raison et pas deux fois. Répète la raison et deux. Parce que si tu dis deux raisons, automatiquement, le fait que lorsque tu dis une, ça implique les deux.
La deuxième, elle n'est pas nécessaire. Donc de la dire, tu comprendras pas pourquoi il a dit. Tout simplement. C'est simple. C'est ça que pourquoi il l'a dit alors. Hein? Pourquoi il l'a dit alors? Et justement, c'est pour ça qu'il... Pour faire... Non, c'est pour ça qu'il n'a pas dit la raison. C'est pour ça qu'il n'a pas dit la raison. Parce que, voilà, parce que sinon... Parce que, si tu, parce que si tu dis les deux raisons... C'est pas shoot, ça. C'est pas shoot. Non, parce que vous avez dit la question et la réponse. C'est vous qui avez dit ça. Oui, c'est pas shoot, ça. C'est comme pas shoot, ça. C'est... Quand tu dis, tu le dis automatiquement. C'est ce qu'on a bon, laissons ça, c'est un peu complexe. Mais on continue ton score, c'est un beau dingue. On va pas. On continue ton score, on continue ton score. Oui, on continue un peu la fin. Bon, on va pas compliquer. Stérile, attendez, c'est une parenthèse ça. C'est une parenthèse, c'est pour un mal. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Donc c'est-à-dire qu'il y a une raison en haut. On continue dans ce mode normal. Les deux que je contiens, c'est ce qu'il y a. Miou. D'accord, on va s'arrêter. Quelle arrête tu as montré sur les raisons qu'on n'a pas fait en l'autre. Après tu retrouves. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Non, mais Rav, j'en ai dit à deux. Rav, qu'est-ce qu'il pense? Et ça lui évitera lui de rajouter une troisième. Rav, il pense comme un héros à la loupe. Voilà, c'est ça, il pense comme... Ah, c'est ça? Moi, je dis que c'est un héros à la loupe, ce qu'on lit. C'est ce qu'on connaît, nous. Il faut bien que ça vienne de... Mais on va rester toute la semaine avec l'opinion qu'on ne suit pas, ah ouais, alors, sans avoir même. Il faut continuer un petit peu. C'est le rave de Rav et Shmuel. C'est Rav. Ah oui, c'est Ravouta de. Pourquoi il n'y a pas Shmuel? C'est pas Rav et Shmuel. C'est Rav Frida qui a parlé. Attends, on va voir. Attendez, d'abord il y a Ravuna. Continue la Gemara. Non, continue la Gemara. Continue la Gemara. Donc on reprend. Deux à la fois, deux dinim. Premier din, Kapta Zakoukla. Deuxième din, Moutal et Shemesh Laura. Ok? C'est marche. Maintenant, Rav Frida. Les Sfarades, ils disent pas Rav Frisda, ils disent Rav Hasda. Les Ashkenazes, ils disent Rav Frisda. Non, comme ça, c'est pas comme ça. Il n'y a pas de mort. Pas Hasda. Rav Frisda. Ils disent pas Rav Frisda. Hasda. Avec un patin. Le mot chassid, non? Oui, le chassid. Amar, qu'est-ce qu'il dit lui? Mad du kimbaïm bechol, avalo bechabat. Lui, il coupe la poire en deux. Madlikim, Baim Bechol. Il tient que la deuxième raison. Il tient que la deuxième raison. Ça, ça va. Il tient la raison. Comme j'ai dit, là j'ai dit qu'il faut prendre, il y a deux sujets, A et B. Et tu peux tenir A sans B et B sans A. Et d'après ça, tu vas avoir, là ça va. Kavta, Enzakoukla. Et donc quoi? Donc, le rôle, tu as le droit de faire ça, parce que même si c'est un. Moi, j'ai pas besoin d'être un derrière ça, c'est pas ton problème. Tu l'as allumé, t'es allumé. Donc, Enzakoukla. Mais Shabbat, ça sourd. Pourquoi? Parce que Moutal, Ishtamesh, Léora. Donc, on a ici, a priori, une maroquette entre Rav Frisda et Rav Ouna. D'accord, c'est une grande. La Gemara, c'est Abaye et Rava, et Rav Ouna et Rav Frisda, ce sont toujours les deux camarades qui suivent tout le système. À continuer. Dans Rashi, Enzakoukla et Tosot, Rashi, il est vraiment gentil. La vérité, c'est qu'il est vraiment gentil. Je ne sais même pas pourquoi il a besoin de le dire. C'est pourquoi ça, c'est une question. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pensé s'il n'avait pas dit? On aurait pensé quoi? Il est vraiment sympa, Rashi. C'est vraiment mâcher le travail. C'est des marottes bleues, là. C'est déjà ça. C'est le Astrode de l'époque. Non, mais Rashi, il est Chazvé Shalom. Chazvé Shalom. Sourd de dire ça. Chazvé Shalom. Rashi, c'est pas le Astrode. Non, mais c'était Rashi, c'est chaque mot. C'est Beroir Hakodesh, c'est pas traduction, c'est pas exploit, c'est. Comment on appelle ça? C'est. Traduction? Traduction assistée. Traduction assistée. C'est la classe. C'est la Gemara pour les nuls. Voilà, c'est ça. Alors que Rashi, chaque mot, c'était. Avant de. Vous savez, Rabbi Nutan, son petit-fils, il a dit: moi, je peux faire. Comme mon grand-père, pour la Gemara. Mais pour le Chumash, je peux écrire un pirouche comme Rashi sur la Gemara, mais comme mon grand-père pour faire le Chumash, ou Rashi dans le Chumash, je ne peux pas faire. Trop fort.
m'a dépassé. Ça l'a dit Rabbeinu Tam. Il a dit sur son grand-père, il dit, moi, je peux essayer de faire la même chose que mon père, mon grand-père dans la Gemara. Seulement, la différence, c'est que son frère, Rabbeinu Tam Rajbam, il a fait. Au lieu de faire un rachis comme ça, il a fait un rachis comme ça. Un rachis, regardez, la Kouf Aïn Zain. Kouf Aïn Vav Dafim. 176 d'abîme, pas parce qu'elle est plus longue que toutes les autres, elle est hyper petite, Bavatra. Hyper petite. Parce qu'il y a des rajbams de fou. Parce que des rajbams de fou. On lève tous les rajbams, c'est plus petit que la Maseret Brachot. La Brachot, c'est la plus longue en mots. En mots. Dans, mais si tu enlèves ça et tu mettais le rachis, tu aurais gagné 70 d'abîme. Ou même encore plus. Parce que regardez dans les d'abîmes comme ça. Et voilà, c'est Rashi. Bon, un zakouk là. Donc, il car behol charé, la souris tamèche l'aura, chez ni. Alors, d'accord, mais vous avez une raison, on a une réponse. Ah, ouais. Pourquoi il a parlé maintenant Rashi là ? Pourquoi Rashi l'a même dit, on le savait ça. Hein, ah, oui. Ah, oui. Ouais. Très bien. Parce que le problème chez vous, c'est que vous croyez que tout ce que je dis, Rashi le dit. Moi, je dis au-delà de ce que dit Rashi. Donc c'est pour ça que vous arrivez ici et vous dites, mais je le savais déjà. Mais parce que vous m'avez écouté, il ne faut pas m'écouter. Il faut regarder ce qu'il dit Rashi. Parce que si vous regardez le Rashi d'avant, il n'a pas dit ce qu'il a dit le Rashi ici. Donc le Rashi ici, il complète le Rashi avant. Mais moi, je le connaissais le Rashi d'ici, donc je vous l'ai déjà dit au départ. Donc vous dites pourquoi il le Rashi l'a dit ici, c'est normal. D'accord ? Oui, parce qu'on va dire répète ça coûte là, mais regardez dans le deuxième aussi, par contre, le deuxième, ouais, il est encore plus. C'est Assur Shemayate, ouais. Il disait Assur Shemayate pour l'autre, il expliquait pour l'autre, mais pas pour celui-là. Mais Assur Lishtamesh Laura, pourquoi ? Chez Yenikar, chez Ou, Ner Mitzva. On n'a pas vu ça, Assur. Les deux voilà, c'est ça. Ah oui, on n'a pas vu ça. C'est après, c'est grave. Très bien, après, on va faire. Amar Abizira, maintenant il vient Rabizira, écoutez bien. Amarav, Matna. Il y en a un autre qui dit que c'est Amarav Bizera. Amarav, voilà le Rav. C'est lui le Rav. Et c'est la Rav, c'est comme ça. Bon, au moins, on se rappellera. Je ne sais pas combien il y a de différence entre les deux, les choses. Non, Amarav Bizera, il dit que c'est Rav Matna et l'autre qui dit que c'est Rav. Voilà. C'est Rav Bizera qui a parlé, quoi qu'il arrive. Rav Zira, il y a deux versions. Qu'est-ce que Rav Zira, il a dit Nalacha. Est-ce qu'il a dit ça au nom de Rav Matna ? C'est son nom, Rav Matna. Ah, Matna. D'accord, pardon. Ok, ouais, je pensais que c'était Rav qui enseigne ou je ne sais pas, chercher un. Non, Rav Matna, tu peux dire. Tu peux dire Rav Matna, tu peux dire. C'est Matna. D'accord. C'est le nom de quelqu'un, il s'appelle Rav Matna. Matana. Il y en a d'autres qui disent Rav Zira Amarav. Tilod, Beshmanim, Shamuchamim, En Madlikim, Ba'em, Beshabbat. Cela qu'on n'a pas le droit, Madlikim Ba'em Hanouka, on a le droit de le faire à Hanouka, Ben Bechol, Ben Beshabbat. Gamara Birmiya, Maitama. Pourquoi on dit Maitama ? On t'en a compris ? Pourquoi on dit Maitama ? Demande de le choix. Tu peux pas dire Maitama, pourquoi c'est Assur, et Maitama, pourquoi c'est Moutar ? Qu'est-ce que tu penses quoi d'abord ? Encore une fois, je vous ai déjà expliqué au moins plusieurs fois. Ça, vous allez, je vous pose la question, vous allez tous me répondre. Il y a pas le. Quel est le meilleur méfarège de la Gemara ? Réponse le Roche. Pas le Roche aussi. Notre tête. La tête. Okay. Cerveau. Mais parce qu'on a de, on a vu. Le meilleur méfarège. Mais on a vu que ça veut dire toujours d'abord, tu te lis ta tête. Quand tu as ta tête est arrivée au max. Au max. Alors à ce moment-là, tu fais. Mais parce que la question elle est par rapport à Frisda, elle est pas par rapport à Ravuna, non ? On a vu Ravuna, il tenait que ni Bechon, ni Beshabbat, je peux les utiliser. Regarde Rav Frisda, il a dit. Rav Frisda, il a pris une seule des deux. Il n'a pas dit Maitama. Il n'y a pas Maitama, très bien. Pourquoi c'est Maitama ? Par rapport à Rav Frisda. Mais non. C'est qui la frappe Nigo ? Qui c'est l'intrus dans cette affaire ? C'est qui ? C'est quoi le normal ? Mais si on pense que le normal, c'est Rav Frisda. C'est le seul sur lequel on n'a pas demandé Maitama. Mais non, si tu commences, c'est Ravuna, c'est lui qui a posé mais la question. Non, mais j'ai commencé, ça, c'est l'ordre, c'est une chose. Oui. Ravuna, j'essaie de comprendre, très bien. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est pas bon, Ravuna. La Svara, c'est pas comme Ravuna. Non, la Svara, elle se tient, mais je sais pas si c'est le dernier. Si la Svara demande Maitama, ça veut dire que tu comprends pas.
ce que tu dis, c'est pas normal. Donc, d'avoir une normalité, pas comme Ravuna. C'est la règle. Quand on demande Maïta, c'est pour moi, tout ce que tu dis, c'est niette. Pourquoi je ne dis pas que la normalité, c'est Rafrizda? Alors, si c'est comme ça, on ne devrait pas demander Maïta Masoukou. On devrait seulement sur la partie que, sur laquelle on n'est pas d'accord avec Rafrizda. Oui, mais c'est normal, demande Maïta Masoukou. Surtout. Et la preuve, c'est que la Gemara demande Maïta Masoukou. Kassavara, Kapta, Enzakukla, Veaso, Lishtamesh, Leora. Zakusha, le Pneuchoa. Pneuchoa, il s'appelle Rabbi Yoshua Falk. Il était le Avbedin de Kelagdosha, Francfort, les Mains. Sur le Main. Francfort, Ammain. Mais on, dans le relation de j'ai des Mains. Ah bon, ils mettent en allemand. Ils écrivent comme ça, Dalet. Ça s'appelle encore aujourd'hui Francfort am Main. Oui, parce qu'on entendra comme ça, Rattenfurfa, quand il signait, parce qu'il était né aussi à Francfort, il disait Francfort, des Mains, Dalet, même de Yud Nun. Mais c'est l'ancien allemand. Non, je ne sais pas. C'est Francfort am Main, ça veut dire Francfort sur le Main. Oui, mais am. A-M. Ça veut dire sur le. Non, c'est allemand, c'est allemand. A-M, c'est allemand. Peut-être que des Main, ça doit être. Un mélange du judéo-allemand. Comme judéo-allemand. Pas judéo-allemand. Truc yiddish. Parce qu'il y avait, dans le Nozabi Yudoa, il ramène une tchouva, qu'il y avait beaucoup de villes. Les juifs n'appelaient pas les villes comme les goïms. Par exemple, Breslava. Ça n'avait pas le même nom. Le nom de la ville comme les goïms l'appelaient, et les noms comme les juifs l'appelaient, ce n'était pas les mêmes noms. Et le problème, c'est quand on écrit un guet, on est obligé de marquer le nom de la ville. Et si quelqu'un il écrit dans la ville, une ville qui est fausse, Mamzer. Ça marche pas. C'est pas marqué, si tu marques pas le nom de la ville, d'ailleurs, lorsque Rabbi Rivo est venu à Paris, il a fait une catastrophe. Il a fait une révolution. Comment on écrit Paris? Paris. Lui, il a dit, moi, je veux marquer P, Réchoud. Paris. Non, pas P, Réchoud, Aleph, pas. Non, ça fait pris. Pas. Le Aleph, ça fait pas. Même les Sfaradim, ils ajoutent le Aleph pour faire pas. Parce que vous conseillez pour le. Combien d'agash? Paris. Parce que c'est quoi Paris? Les Israéliens, ils appellent Paris, Paris, mais toi, tu dis Paris. Tu dis, pardon, excusez-moi, où Paris, Paris, Paris. C'est à cause des anglo-saxons. Non, c'est à cause des anglo-saxons. Oui, Paris. Ils disent le S. Oui, ils disent le S. Mais le S, c'est un S muet. Bon, en français, oui. Mais en français seulement. En français, oui. D'accord, mais on n'habite pas en France, mais on n'habite pas en Amérique du Sud. Non, mais la question, c'est qu'on écrit en hébreu. En anglais, en anglais. Si on écrit en hébreu avec la prononciation ivrite, alors on devrait dire Paris. Non, si on écrit en français, en hébreu avec la prononciation française. On doit écrire le nom usuel. C'est la prononciation usuelle. C'est après l'endroit. Il a fait père. D'autant l'endroit où tu es. C'est ce qu'il a fait. C'est après l'endroit où tu es. Makoma Netina. Si un get, on écrit dans un endroit et on envoie dans un autre endroit. Et ces distinctions, il y a une marocaine de la Gemara. Est-ce qu'on écrit Makom à Netina ou Makom à Ktiva? Ktiva ou Netina? Donc, ça, si c'est écrit à New York, c'est envoyé à Paris, il va écrire Paris. Ça dépend. Il va proposer le S. Ça, oui. Ouais, il va le mettre. Ça, oui. Non, mais nous, on dit qu'on écrit Makom à Ktiva. Donc, s'il vient de New York, il marquerait Paris pour l'envoyer à Paris. S'il écrit là-bas à New York Paris, il écrit Paris. Il aurait mis. Oui, mais quand tu as. Quand le gars il est là à Paris, et il en a à Paris. Il n'y a pas de raison d'écrire Paris. D'accord, mais alors, c'est bien ce qu'il a fait, non? C'est le lieu où il a pas fait. Ah, finalement. Quand il a mis sa mère à la fin? Non, il y a un Zayn. Aleph, Reshin. Chine. Ah oui, il y a un Chine. Un Sine, un Sine. C'est pas un Sine. Oui, un Chine sans le point. On ne le voit pas dans le. On ne voit pas. C'est d'après tous les avis. Il n'y a pas de Chine, il n'y a pas de point. Il n'y a pas de point dans le. Pas un régal. Donc il a fait tous les avis. Il a demandé à Rav Mkratitra, qui a demandé à Rav Yosef, à tous les rabbinés. Ils ont dit pas raison. Tu as demandé de dire pas raison. Pas raison. Mais c'est les anciens guettes, qu'est-ce qu'on va faire avec les anciens guettes? Pas être motzi la haz
à la Gittim à Richonim. Ah, voilà. Parce que ça veut dire quoi? Moi je me suis divorcé il y a 10 ans. Pourquoi? C'est... Je suis mamzer. Ouais. Et moi, il y a 20 ans, et moi, il y a 30 ans, et moi, 50 ans. La famille. Alors, tout le monde est mamzer. À partir de Rav Rivo, tout le monde est cachère. Et avant, c'était tous des mamzerines. On ne peut pas faire ça. Mais c'est. Je reviens à la mot. Oui, par exemple, il y a une règle qu'on n'écrit jamais un guet dans une nouvelle ville. Pourquoi? Parce que on peut pas inventer le nom exact. Il faut toujours trouver un document qui avait déjà écrit, etc. etc. Ah, et justement, lorsque le Rav Schlesinger de Genève est venu, comment on écrit Genève? Genève. 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 Il n'y a pas le guillemet. Parce que le va. Non, parce que le va, il est. Alors, là-bas, tu as les francophones. Tu as les la Suisse allemande. Les Suisses allemands. Chacun dit autrement. Italien. Les Italiens, les Allemands et les Français qui habitent à Genève. Alors, dans ce cas-là. Chacun dit autrement. Si on doit dire mettre le nom usuel. Pour le prénom. C'est parce que c'est un peu. Maintenant, disons, on va dire que c'est devenu un peu anglo-saxon, tout le monde, tu vois. Mais non, mais réellement, les Français disent Genève, l'autre dit Geneva, l'autre dit. Genf. Si on doit mettre le nom usuel, ça doit être pareil pour le nom et le prénom du marié et du Khatan. Exactement. Alors, moi, par exemple, moi c'est marqué Moshe, mais personne m'appelle Moshe, tout le monde m'appelle Stéphane. Alors, c'est un problème ça? Non, il faut créer les deux. Et si, ah ouais. Ah oui, il faut créer les deux, c'est ça. C'est ça la fin de Moshe. On connaît Stéphane. Oui. On l'appelle Moshe, mais les gens l'appellent Stéphane. Oui, mais moi, personne ne sait. Il faut écrire. Voilà, tout bas, tu parles, toi. Il faut écrire le nom d'Emikaria, ou bien Amechoune, Stéphane. Mais aussi, comment on écrit Stéphane, Bob. Allez, amis, bravo. Mais vous n'avez pas répondu pourquoi le Maïtama. La question du Pnei Yoshua. On ne peut pas tout.